Togo est fou. Le Togo à votre portée. Monsieur le président de la République togolaise, fort et sans inamniasimbe, madame la première ministre, madame la présidente de l'Assemblée nationale, monsieur le ministre de la justice, autorité pénitentiaire, monsieur le président, j'ai décidé de sortir de mon silence pour implorer vos pardons en ce jour du 8 juillet 2022. Cette date étant le jour de l'anniversaire de mon époux, Jean-Paul Omolu, je profite de cette occasion pour vous faire part de mes cris de douleur et de détresse, ainsi que mes enfants. Monsieur le Président, quand mes enfants rentrent de l'école, chaque jour, ils me posent la question. De savoir quand est-ce que papa reviendra. Je n'ai toujours pas encore trouvé de réponse. Les mots justes me manquent pour leur expliquer la situation en ce jour. Monsieur le Président, je viens respectivement vous demander pardon pour tout ce que vous reprochez à mon époux. Je vous interpelle en tant que père de famille, ayez pitié de moi et de mes enfants. Je ne suis qu'une simple mère de famille, je ne suis qu'une simple citoyenne togolaise. Libérez mon mari, s'il vous plaît. Donnez-nous la chance de reconstruire notre famille et d'éduquer nos enfants dans la sérénité. Je vous remercie d'avance et reste convaincu que vous prêtez oreille à ma demande.